La mine de Kazanchi, dans la province nord-occidentale de la Zambie, est la principale mine de cuivre d'Afrique et la 8e du monde. Elle emploie 1700 ouvriers et est détenue et exploitée par Kazanchi Mining PLC. La société canadienne de mines et métaux, First Quantum Minerals, contient 80% des actions de l'entreprise. La capacité initiale est de 110 000 tonnes de cuivre en 2005 et est passée à plus de 240 000 tonnes et plus de 3,4 tonnes d'or par an. Les engins miniers Hitachi tirent leur épingle du jeu et se trouvent à l'avant-plan des projets en cours et à venir. First Quantum Minerals emploie une flotte de pelles hydrauliques EX et de camions bennes à châssis rigide EH, dont deux EH3500 AC39 à ligne aérienne commandés en décembre 2016. Two EH3500 AC3 trolley trucks were delivered to Kansanchi Mine at the end of 2016. This model is a whole new approach to the dump truck market and presents great opportunities for Hitachi and its customers. Les plus grands enjeux sont l'augmentation de la productivité et la réduction des frais de fonctionnement, raison pour laquelle nous avons retenu Hitachi comme fournisseur privilégié des camions à système de trolley Hitachi. Le H3500 AC3 est un camion diesel électrique, disposant d'une source secondaire pour alimenter les moteurs de roue. Un seul commutateur suffit pour passer du trolley au diesel et vice-versa. Quand celui-ci est activé, la puissance du moteur diesel est annulée et la puissance du caténaire est activée et dérivée vers les moteurs de roue par l'intermédiaire des onduleurs et des boîtiers de commutation des lignes aériennes de contact. Tous les composants des caténaires de l'EH3500 AC3 sont fabriqués par Hitachi. Extrêmement efficaces, ceux-ci sont entièrement pris en charge par le fabricant et ont une longue durée de vie. The biggest advantages are improvements in productivity and cost savings. En outre, le risque d'immobilisation est faible grâce à l'absence de transmission et d'autres composants complexes. La consommation est inférieure à 90% à celle du diesel. Le courant électrique est économique et permet de réduire les frais d'exploitation. When the trucks are under the trolley, we're doubling the speed that they would have done up the ramp. So it's a big time saver and a big money saver. En mode trolley, le régime moteur est inférieur à celui de tous les moteurs diesel électriques de la concurrence ou des moteurs diesel conventionnels. Grâce à ce cycle de faible utilisation, la durée de vie du moteur de l'EH3500 AC3 est supérieure et sa remise à neuf peut être retardée, limitant ainsi les immobilisations et les frais d'exploitation. La baisse des émissions et du niveau sonore a également un impact positif sur l'environnement. L'EH3500 AC3 répond non seulement aux attentes de First Quantum Minerals, mais également à celle de la mine grâce à sa capacité de charge et à sa vitesse en combinaison avec les lignes aériennes de contact. L'important, c'est la productivité et la réduction des coûts. Et comme certains camions arrivent en fin de cycle de vie, la mine envisage l'avenir avec les camions à trolley Hitachi.